Voici l'histoire, 8 minutes et 19 secondes. Par un matin glacé, tu es parti. Maman dit que c'est pour toujours, au ciel si on y croit. Les avions racontent leur voyage, le haut du ciel et les nuages. Celui-ci ne m'a rien dit de toi. Il faut 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière du soleil parvienne jusqu'à la terre. Tes yeux allaient plus vite pour me dire que tu m'aimais. Les fleurs naissent, grandissent et meurent en moins de 3 saisons. Je me souviens de celles que tu aimais, de toutes celles que tu semais et du parfum de celles que tu offrais. La vie continue avec nos souvenirs de toi. Réveillés au détour d'un tiroir, d'une rue, d'une fleur, d'un dessert, d'une photo de bord de mer. Comme le secret des arbres, ma tristesse est cachée, comme l'oiseau arc-en-ciel envolé entre soleil et pluie. Les hirondelles reviendront. Leurs ailes comme des ciseaux tailleront en petits coupons les gros nuages de printemps. Et les arbres des vergers seront habillés en de jolies mariées. Sur le banc où nous aimons nous arrêter, j'ai vu ce livre oublié. Je l'ai mis dans la poche de mon manteau bleu. C'est le conte des cygnes sauvages d'Andersen. Il y est écrit « Oui, ces enfants étaient bien heureux, mais ce bonheur ne devait pas durer toujours. » Les statues des jardins se moquent du temps qui passe et jamais ne revient. Dans l'amour et les mots de maman, je traverse les jours tristes et les joyeux. Notre maison est toujours là, ma chambre sous le ciel. La lumière du soleil s'invite par les fenêtres, éclaire ton visage sur ma table de nuit. 8 minutes et 19 secondes. Mes yeux vont plus vite encore pour te dire que je t'aime. Cette petite histoire est terminée et je te dis à bientôt pour d'autres histoires.